Je suis Eva Leroy, illustratrice française. J'habite à Bruxelles actuellement et je suis spécialisée donc en architecture depuis que j'ai terminé mes études. Pour expliquer un petit peu, j'ai fait mes études d'illustration à l'école Estienne à Paris, puis j'ai poursuivi aux arts décoratifs de Strasbourg en didactique visuelle. Et j'ai spontanément orienté mon travail vers l'architecture, notamment à travers mon projet de fin d'études. Et ça m'a permis de démarcher des agences d'architecture et de commencer ce travail de représentation de projets. Donc depuis maintenant 4 ans, je collabore avec des agences d'architecture et je réalise aussi des contributions graphiques pour des revues théoriques, des expositions, et j'ai aussi eu la chance de participer aux 2 dernières biennales de Venise. Ce dessin est le premier dessin que j'ai réalisé pour Xavier de Gaiter pour le projet Paris-Saclay. Il s'agit d'un fragment de master plan où le but était de mêler le projet potentiel et l'existant. Donc c'est une perspective assez particulière, assez plate, qui permettait aux différents acteurs du projet de se projeter et d'avoir une vision future potentielle.